Auditeurs, auditrices de radio télé, l'ouvrier nous tout qui branché, comme d'habitude chaque samedi dans le ça, son plaisir pour nous capables avec nous encore une fois. Et premier samedi pour année 2018 là, pas oublier que jeudi c'est 6 janvier 2018, son plaisir pour nous ensemble avec nous journée jeudi à pour nous saluer nous et pour nous faire nous la raisonner. Jean ça a toujours fait dans le pays d'Haïti, dis nous bonne et heureuse année 2018. Nous souhaitons que nous te déraper année en bien. Gan pile moun ki pa wè année, gan pile moun 31 décembre qui est arrivé, perdu la vie yo, mais nous souhaitons que nous-mêmes nous en forme, quel que soit côté nous y a, que nous branchés Haïti ou bien en dehors d'Haïti, dans la diaspora, que nous branchés aux États-Unis et en Afrique, en Asie ou bien que nous branchés en Europe, nous disons tout honneur et respect. Assoya nous gagne en pile causé pour nous parler assoya, nous gagne pile causé, nous gagne tout d'abord pour nous rentrer dans le pays d'Haïti et parler ensemble avec René Civil, un responsable politique au monde qui dans politique là longtemps. Pas oublier que lundi pour arriver là, deuxième lundi et du mois de janvier, c'est va et parlement hein, qui va et recommencer le travail, nous croyons qu'il y a fermeture travail et puis réouverture. Et côté tout, que y a le président Jovenel Moïse qui supposait parler lui-même, fait état-nation. Et gagné Jacques Guy Lafontaine, premier ministre, qui lui-même doué et paraître et bilan de gouvernement li pendant l'année 2017. Là. Donc, c'est un bagage que tout le monde va le suivre, surtout avec un parlement qui était presque dysfonctionnel à cause de 10 sénateurs qui étaient supposés, et d'après ça qu'il dit, on t'a supposé gagner élection pour sénateur Sayo, si on t'a reparé, ou bien si c'est l'autre qui t'a remplacé, yo. Et voilà que jusqu'à présent, pas gagner élection dans le pays d'Haïti, toujours un pays qui est dysfonctionnel. Donc, n'a pas su ça, et puis tout, et gagné en pile parler tout, qui te gagné. Et si nous songez, gagné un jeune homme qui est Chelson Sanon, lui-même, qui te mette en série de bagailles de yo, côté que lui te parlé de, et sénateur et Joseph Lambert et Edo Zeni. Donc, deux sénateurs ça yo, que t'es parlé, t'as va dire que, monsieur, t'as travaillé pour yo, non, yo a fait drogue, bon, a fait gang, nous pral faire nous tendre, et, mettre, Morin avec mettre Osnel Jean-Baptiste, yo même, qui pral pas nous, qui sa rapport, yo pral li pour nous, qui sa rapport RNDDH, t'es bail sous causer ça, alors que, non, lundi qu'on va le paraître là, notre jour,
et en pile bouillap couri que ta va sembler que sénateur Joseph Lambert c'est youn nan moun qui gagne en pile chance pour ta vini président sénat parce que Youri la tortue l'est pas brigué pour un deuxième mandat et Youri la tortue déjà dit que et la paix appuyer candidature sénateur Joseph Lambert et nous pral tande dans déclaration sa yo dans sa que RNDDH te bay comme rapport côté que et il était fait bruit que tu as des députés et comme le Vaillant Louis Jeune et Sorel Jacet qui était député à l'époque et que il t'a fait un gens et sous et nous qu'a dit instigation sous l'ordre Joseph Lambert d'après ça que Chestel ça nous a dit et pour que il était arrivé tuer deux députés ça à l'époque. Donc côté que Sorel Jacet t'a déclaré que et que et Joseph Lambert c'est un monde qui pas qualité au petit moment sans ni pas gain immunité parlementaire parce que les d'après ça qui dit li nan drogue et s'il nan drogue n'importe là yo capable même j'avec Fourel Célestin j'ai été fait ça même j'avec Guy Philippe jounen jodi a yo ka mette main nan pat Kasavli et Fourel nan Miami aller juger devant et donc a dit tribunal mais donc bagaille ça nous parle parler tout à l'heure comme ça ensemble avec René Civil dans le pays d'Haïti dans zone 9h30 et un peu plus tard nous parle joindre ensemble avec un prêtre catholique c'est père Mathieu nous parle font parler avec lui sur un gros projet que lui gagne un méga projet sur le cadre le comme ça sous affaire fatra dans le pays d'Haïti. Donc, il va nous plus de détails, m'a pas mettre plus bagaille dehors. Mais, un peu plus tard, Père Mathieu, nous va faire un petit parler avec lui, sous cause ça, et ouais, comment que nous-mêmes, en tant que diaspora, en tant que monde qui est dehors pays, nous qu'à participer, non, et éliminer Fatra dans le pays d'Haïti, et en même temps, et régler l'autre cause pour aider pays à avancer, sortir dans sa lié. Journée, jeudi. Encore une fois, non moi c'est Edwige Romulus qui toujours paraît dans micro ça chaque samedi dans le sa émission Louis la VG, ou émission qui là ou capable faire nous connaître ça qui a passé et analyser avec nous des bagages qui capable aider non seulement nous-mêmes qui dans diaspora et ça qui dans pays d'Haïti. En tout, il faut nous dire tout que semaine ça son semaine terrible surtout aux États-Unis d'Amérique et au Canada côté que t'es gagné en pile mauvais temps en ce qui a trait à neige, tempête de neige, frais du c'est pas parlé et actuellement gen moun nan Boston, gen moun même sorti ou pas sorti tellement le fait frais. Canada c'est bagay, c'est pire même ici en Floride nous arrivé prend en pile Freddy. Juste dans le moment où je parle avec vous là, c'est jeudi, c'est matin, et que température Floride là, surtout dans Orlando, te font monter 40 degrés. 40 degrés. Mais, nous avons dit que, et dans Brockton, Massachusetts, Boston, Massachusetts, température a été vraiment, vraiment, vraiment bas, et côté que, pour pire rôle, c'est moins 9 degrés. Ça veut dire que, en dessous, de 9 degrés. Là, me dit moins 9 degrés, c'est ça où il est below 9 degrés, en bas 9 degrés. Et il dit qu'on s'accueille avec vent qui a soufflé, ça où il est windshield, là, en anglais. Et c'est comme si la température était au-dessus de 20 et de 25 degrés. Frédu en pile. Alors que situation comme ça, mon président Koué, Donald Trump, les dit qu'il n'y a pas Koué, non sacré, et chauffage, du globe. Il n'y a pas quoi dans ça. Il n'y a pas quoi dans ça. Et ça relève global warming, non? Il n'y a pas quoi là-dedans. Et en plus, le monde dit, c'est à cause de causer environnement qui fait que, journée, jeudi, et les températures à paix, fait ça l'affaire. Donc, nous mettons à temps, nous, le chaleur à tout, chaleur après terrible pour nous-mêmes, ici aux États-Unis et au Canada. Et même Haïti, d'après ça, on dit, Haïti a pris secousse et tout. Et d'après ça, nous entendons, la pris secousse et en pile monde craint pour que dans le jour où on vient, pas gain en pile la pluie, pas gain inondation, pas gain déboulonnage terrain et terre. Donc, pour que
Et il y a pile monde qui pensait que si le sud, le grand sud, al prend bagay ça encore, j'en songe, j'étais prêt dans le cyclone Matthews, mon cher, bagay ça son pral catastrophe, li pral lié au pays d'Haïti, alors que nous connaissons monde qui, en tête pays d'Haïti, il n'y a pas jamais paré pour catastrophe, c'est toujours urgence, c'est le bagay la paré, et puis c'est comme si c'est urgence, c'est tout en c'est urgence, il n'y a pas jamais préparé, en conséquence, à l'avance. En tout cas, un nouveau requête, petite salutation pour Miss Len avec Larry, capitaine de nous, Esther, Henri, Chacha, et qui n'a les Calfred, Gérard Moranville, Luther, et Moranville et famille qui n'a Martinique. N'a pas envoyé une salutation pour Johnny Lormil, Woodley, Louis, Wislen Verger, ensemble avec Marily. Une salutation pour Robinson Exalon qui n'a zone Chili. Une salutation pour Jean-Francis Lorido qui est dans zone Chili tout. Père révérend père Edlin qui est dans zone Haïti, agronome Michel William dans Haïti. N'a pas salué tout Mario avec pasteur Faro qui est dans zone New Jersey. Salutation pour Eomine Bouquet qui est dans Brockton Massachusetts. Rodney et Sandy Romulus qui est dans Brockton tout. Ramil Romulus qui est dans Boston. Salutations pour Guy Daphnis dans Brooklyn, New York. Abner George dans Brooklyn, New York. Nous avons salutations pour Jean-Béliard Lucien qui est Long Island. Salutations pour qui m'en sait encore? Emmanuel Joseph Junior qui est dans le pays d'Haïti. Et nous avons voyons salutations tout pour René Civil. Bon, t'as le nous prenons le temps des monsieur là. Jean Danton Léger, Pierre Espérance et Père Mathieu lui-même qui a pétendé nous actuellement. Et en pile, l'autre monde, Josué Romulus, docteur Josué Romulus qui est en pays d'Haïti et fait nous connaître que samedi, si Dieu veut, nous qu'à attendre docteur Josué Romulus. Et sénateur Nenel Kassi, maître Osnel Jean-Baptiste avec maître Moret, salutations pour maître Newton Saint-Just et salutations pour tout le monde qui attend de nous et en général qui a fait suivre émission l'ouvrier la VG et dans pays d'Haïti, dans Canada, dans Mexique, dans Brésil, dans Argentine. Et ça qui Chili, ça qui Canada, quel que soit côté nous, y a nous dit nous toutes, honneur et respect. La misère vagabonde, les petits qui courent pour y vite, où y aller dans le bon vite, d'ailleurs, la vie de l'outil. Dominique et Païsien, travaille comme pour rien, travaille comme des chiens. C'est pour le frère qui travaille, chanter ça, c'est pour nous.
Ah, un petit geste pour yo, un petit geste pour haïtien. Quel que soit côté haïtien passé, la prend pat à swell, la prend pat à swell devant derrière. Et ça qui pire là, c'est haïtien pareil lui-même qui commence à bailler pat à swell dans pays la caille et qui rend que dans pays étranger, yo pas gardé haïtien pour rien, yo pas gardé pour rien. Nous pral tande et yon ti un rapport, nous parlons de maître Austel Jean-Baptiste, je crois Carl Astella, tout avec maître et Morin, mais c'est maître Morin qui parle le rapport NDDH là. D'après si je suis joué ensemble avec Pierre Espérance, malheureusement, moi pas qu'à joindre. Et parce que, gagné Shelson ça, non? Nous quoi, monsieur, jusqu'à présent, monsieur, dans la prison, et qui t'a fait des révélations, et des révélations, qui était très fracassante et que nous prenons le temps de nos rapports. Ça, c'est un rapport qui durait à peu près 16 minutes que nous prenons le temps de. Immédiatement après nous finissons de ça, nous prenons rentrer en contact dans le pays d'Haïti avec René Civil et nous prenons le parler de politique, surtout avec réouverture de Parlement, ça nous a dit l'Assemblée nationale là, qui parle de Chambre députée ensemble avec Sénat République là, pour lundi, Capévin là. En entendant, comment ça a été rapport là que NDDH te baille là, son baille qui est très accablant, nous râler le jour d'hier pour me faire nous entendre parce que c'est triste pour nous attendre ça de pays là, nous de pays d'Haïti. En entendant ça. 19-88-12-20-245. Je suis né à Jacmel le 16 décembre 1988. En 99, j'étais âgé de 11 ans. Et en situation précaire, lorsque j'ai été approché par l'ex-sénateur Joseph Lambert, aujourd'hui conseiller à l'époque-là, on a le sénateur, du président de la République, Michel-Joseph Martelly, je veux dire qu'on est sénateur lié au Sénat, qui m'a introduit dans le secteur criminel. J'ai spontanément décidé d'arrêter mes activités criminelles. C'est pourquoi, tout en me mettant à la disposition de la justice, le 12 mars 2013, je me suis rendu au Réseau national de défense des droits humains, RNDDH, en vue de faire ce témoignage. Mon enrôlement à titre de transporteur de drogue, en 1999, ancien sénateur, Joseph Lambert, toujours sénateur, m'a proposé d'être son ami, car, voyez en moi, me disait-il, un jeune garçon intelligent et plein d'avenir. À cette époque, Joseph Lambert n'était pas encore sénateur. Cependant, il était très proche du sénateur d'alors, Fourel Célestin, que nous connaissons en prison, aux États-Unis, pour drogue, ancien président du Sénat. C'est ainsi que j'ai été intégré à la base CACOS, localisé à la rue Saint-Anne, Caco. Et Jacmel. Localisé à la rue Saint-Anne, à Jacmel. Mon nom d'opération est André Bersano. J'ai été nommé ainsi par l'ex-sénateur Joseph Lambert lui-même, qui s'est aussi chargé de mon instruction en matière de crime. En effet, j'ai reçu une formation en reconnaissance de cocaïne. J'ai dit bon monde pour ne bien comprendre, il fait le côté cocaïne, il y a un sens, il va être cocaïne, mais loin c'est cocaïne. J'ai aussi appris à faire usage d'une arme à feu, à conduire les automobiles et les motocyclettes afin de recevoir des matériels de travail, savoir les gants, les armes, les munitions, etc. Après ma formation, l'ex-sénateur Joseph Lambert m'a engagé pour assurer le transport de cargaison de drogue. Je devais transporter ces cargaisons de la rue de la Ravine à Lamandou chez un agent de sécurité d'alors de Joseph Lambert, dénommé Cam des Amours. Je recevais 2000 gouttes pour ce travail. Au fur et à mesure que je travaillais, l'ex-sénateur me liguait d'autres responsabilités comme le transport de cargaisons d'armes à feu ou le transport de cargaisons de drogue en des endroits éloignés. En effet, j'ai aussi l'habitude de transporter de la drogue pour l'actuel commissaire du gouvernement près le tribunal ouvrier en charge de la Croix des Bouquets
mettre les noms glissement. Je vais en passer encore. Ce pour le compte de l'actuel conseiller du président Joseph Michel Martelly. Cependant, voilà. M. Lili Télisman, qui habite en 1907, ne reçoit pas l'adoption chez lui, mais au carrefour Fleurieux. Parallèlement, le sénateur Joseph Lambert m'a conseillé d'abandonner mes études, arguant que les documents, les certificats de fin d'études ne rapportent rien en Haïti. Il m'a affirmé qu'il pourrait me les faire avoir sans qu'il ne me soit nécessaire d'aller à l'école. De plus, il m'a promis une voiture, une maison et un emploi. Nabé, excusez-nous du fait que ça arrivait, excusez-nous, parce que on appelle qui coupé là, nous pour permettre que nous refais ça, on appelle qui coupé là. Excusez-nous un moment, juste le moment pour que nous capables ranger ça, s'il te plaît. Donc, on appelle qui coupé ça et n'a demandé pour le monde pas créer nous parce que c'est sur téléphone nous, n'a pas passé ça. 1988-12-20245. Je suis né à Jacmel le 16 décembre 1988. En 99, j'étais âgé de 11 ans. Et en situation précaire, lorsque j'ai été approché par l'ex-sénateur Joseph Lambert, aujourd'hui conseiller à l'époque-là, on est un sénateur, du président de la République, Michel Joseph Martelly, je vous dis à vous n'avez cette. N'a pas fongé là pour nous avancer côté notre IA sans ça, là, n'a pas pris trop de temps, ça n'a fait, n'a pas avancé un peu parce que le territoire est déjà loin. C'est d'aller à l'école. De plus, il m'a promis une voiture, une maison et un emploi au niveau de la fonction publique. Le sénateur Joseph Lambert a aussi loué une maison où les membres du gang Kako sont hébergés lorsqu'ils rentrent à Port-au-Prince, notamment pour des missions. Cette maison est située au numéro 29, impasse Wallace, où deux frères de plus, le commissaire du gouvernement pour le tribunal de province d'alors, de la Croix des Bouquins, M. Lili Télisman, a mis sa propre maison, localisée à Martissant 7, à la disposition de la base. Cette base est composée de moins de 17 individus. Il s'agit d'Edner Gomé, connu encore sous le nom de Jackson Travellino, actuellement recherché par la police nationale d'Haïti, PNH, dans le cadre de l'enquête judiciaire relative au démantèlement du camp dirigé par Clifford Brandt. Edner Gomé, Erlin Télémat, un aspirant policier, Alain Moïse, Jude Millian, Fabien Louis et Dijon. Jean-Éloïc Choua, connu encore sous le nom de Papou Choua. Jason Sanon, connu encore sous le nom d'André Versanon. Saint-Fleuroy, Sonny Lambert, Yves Joachin, Raymond Fried, Bertoni alias Champon, Amano, ainsi connu, Grégory, ainsi connu, Zagne, ainsi connu, les premiers crimes que j'ai perpétrés. Petit A, assassinat d'étrangers à Jacques Mayo. En 99, moi, Chelson Sanon, j'ai tué pour le compte de l'ex-sénateur Joseph Lambert une étrangère du nom de Céline Moulier qui était venue implémenter une organisation à Jacques Mayo. Elle habitait à Civatier. J'ai reçu 2000 lourds pour cette exécution. Le jour du crime, j'étais accompagné de Alain Moïse. Ce dernier est un agent de la police nationale, PNH, lorsque je l'ai exécuté à hauteur de la route de Macquarie. Céline Moulier pilotait une Toyota double cabine blanche. Le même jour, le père de la victime, Fernand Moulier, a aussi été assassiné par Alain Moïse. Le gang a reçu l'ordre de conduire le véhicule de Céline Moulier au garage de Jacques Caroli, situé à Saint-Cyr, Jacques Mel. Les pièces du véhicule ont été vendues. La carcasse se trouve encore au garage après l'assassinat des deux étrangers. Mentionné. J'ai été emmené en République dominicaine au Baya, Principe Hotel, Bavararo, situé à Punta Cana, en attendant que tout se calme. Cadre Ken des Amours. Ken des Amours était un membre du gang. Il assurait la sécurité du dépôt de drogue de l'ex-sénateur. Une fois, il a reçu pour mission de récupérer une cargaison de drogue et de l'accorder à l'ex-sénateur Fourel Célestin. Cependant, Ken des Amours a préféré prendre la marchandise et la vendre à Jackie Caroli.
J'ai été chargé d'assassiner quelques amours pour jeu d'écart de conduite. Le 30 octobre 2006, j'ai exécuté Kern des Amours. Je lui ai administré 3 balles alors qu'il se trouvait dans un bar restaurant situé à la Monde. Lors du crime, il venait à Pompi, un autre membre du gang spécialisé notamment dans les exécutions du prison, dans les exécutions, était présent. Excusez-nous. L'arme du crime m'a été remise spécialement par l'ex-sénateur Joseph Lambert. Après l'assassinat de Kern des Amours, des policiers basés à Jacmel ont reçu l'ordre de dire que ce dernier a été tué par un policier. Parallèlement, j'ai été encore emmené en République dominicaine où j'ai passé 3 mois. Logé au même hôtel, la Playa Principe Hotel Barbaro, situé à Punta Cana, à chaque fois, toutes mes dépenses étaient prises en charge par l'ex-sénateur et aujourd'hui sénateur qui me rendait visite chaque mois. Après une retraite de 3 mois, l'ex-sénateur est venu me chercher. Mes amis parlaient sous téléphone. C'est la mapigra pour RNDDH, son enfant soldat. Après une retraite de 3 mois, l'ex-sénateur est venu me chercher. Arrivé à Jacmel, il m'a offert une moto qu'il lui a lui-même acheté et 2 Zeni pour une somme de 35 000 gouttes. Ma présentation au sénateur Idoun Zeni en 2006, en raison des multiples services rendus et surtout parce que je me suis toujours montré consciencieux dans mes nombreuses tâches, Le sénateur Joseph Lambert m'a présenté au sénateur Idoun Zeni, connu encore sous le nom d'Edo Zeni. À partir de ce moment, j'ai eu 2 patrons, toutefois. Avec le sénateur Idoun Zeni, mes contacts se sont multipliés. De plus, mon travail de transporteur est devenu plus important. J'ai été autorisé à prendre les cargaisons chez Jackie Kaoli et chez Joël Kaoli pour le compte des sénateurs Edwin Zeni et Joseph Lambert. Les cargaisons de drogue. Les cargaisons menées à la Mondo étaient toujours sécurisées par Saint-Fleuroy, Jean-Edouard Roy, connu encore sous le nom du Papouche Roy, et Eddie Jean. Aujourd'hui, Eddie Jean est propriétaire d'une boutique de vêtements localisée à la Mondo 1. Mon implication dans les actes, toujours chez Sansano, dans les actes de violence enregistrés lors des élections de 2010. Pour les élections de 2010, le sénateur Lambert a supporté le candidat à la députation Kinolcha. J'avais pour tâche de remplir les urnes au profit de Kinolcha. J'étais aidé par les autres membres de la base CACO, puis sécurisé par des agents de la mission des Nations Unies pour la stabilisation d'Haïti. J'ai emmené les urnes au bureau de vote de Meillet, une commune du Sud-Est. Je dois souligner que ces fautes ont favorisé le candidat Kinol Chol, qui a gagné les élections et est aujourd'hui, je ne sais pas bon, si vous êtes venu au Parlement, député de la circonscription de Cajacmel. Après les élections, notamment au début de l'année 2011, le sénateur Edwin Zeni s'est rangé du côté de Joseph Michel Martelly, consacrant ainsi son divorce temporaire avec le sénateur Joseph Lambert. Pour se venger, le sénateur Edwin Zeni nous a offert 3 000 $ américains à moi et à une pompie pour incendier son propre véhicule, une armure 4x4 de couleur blanche qui se trouvait alors à la Mondou. Ensuite, il a accusé le sénateur Joseph Lambert d'avoir procédé à cet incident. Incendie. Suite à l'incendie, des agents de la PNH, dont un dénommé Alain Mirouet, à la sonde du sénateur Edwin Zeni, se sont rendus à la Mondou et ont déclaré dans leur procès-verbal avoir remarqué le véhicule du sénateur Joseph Lambert qui prenait la fuite. Quelques exemples d'autres crimes perpétrés par le gang des 12 Zeni, slash Joseph Lambert. Toujours chez Sonsano. Le 1er septembre 2012, j'ai été engagé par le sénateur Edwin Zeni pour exécuter Rista des Amours, ayant échoué après plusieurs tentatives, un prêtre du Voodoo, Jean-Marie Dumont a reçu 10 000 $ américains pour le crime, pour faire le crime. Ce dernier a été par la suite arrêté le 16 octobre 2012. Jean-Marie Dumont se trouve aujourd'hui à la prison civile de Jacmel, dans les années de 2012. La petite fille de Rista, des Amours, a pour sa part reçu une balle à la cuisse. Toujours Joseph, toujours Sassonsan. Le 17 novembre 2012, à Jacmel, le gang CACO a pris part à l'enlèvement suivi de séquestration
du petit Jorim Saint-Étienne, âgé de 3 ans, ce qui m'a été perpétré sur instigation du sénateur Edwin Zeni, qui est l'amoureux d'une jeune fille habitant à Nisson. Les proches de la jeune fille reprochaient à cette dernière d'entretenir une relation amoureuse avec le sénateur, un homme marié qui de surcroît entretient plusieurs maîtresses. Cette dernière a rapporté les faits au sénateur qui, pour leur donner une leçon, a ordonné l'enlèvement de Jorim Saint-Étienne. Il n'était pas prévu de tuer l'agronome Jean-Marie Patrice Étienne. Cependant, celui-ci, croyant qu'il avait affaire à des voleurs, a tiré le premier. Un des bandits, Alain Moïse, a reçu un projectile au bras. C'est dans les boussons que l'agronome Jean-Marie Patrice Étienne a été tué. Pour libérer Jorim Saint-Étienne, la famille a dû payer la rançon de 40 000 dollars américains. Allô? Deux autres assassinats ont été perpétrés pour le compte du sénateur Edwin Zeni le 5 février 2013. Ces deux individus ont été tués parce qu'ils ont frappé le véhicule du sénateur Edwin Zeni. Non, non, ça a été dit, non. Ils ont été criblés de balles. Il s'agit de Thierry Datroit 712, et de MC Armour Datroit. Pour ce travail, le sénateur Edwin Zeni a offert la somme de 1500 dollars américains avec leur et à Edijon et a perdu ainsi connu alias Champan. Ils étaient montés à bord d'une motocyclette immatriculée MC7030. Le 6 mars 2013, le sénateur Joseph Lambert m'a confié quatre armes de calibre de 9 mm à apporter à l'une des ramifications de la base GACO à La Saline. J'ai remis ces armes à Ignat Pompi et à Jean-Élouis III, connu encore sous le nom de Papouchoua. Le 5 avril 2013, le gang GACO a reçu une mission de l'ex-sénateur Joseph Lambert de se rendre à Marigou, dans la maison de Cheto Sanon, l'officier de l'état civil de cette commune. Le gang a apporté 16 boîtes de carton remplies de drogue. Cette drogue a été emmenée chez Christophe Lambert à Brément, commune toujours de Jacques Bell. C'est en avril 2013. L'ex-sénateur et conseiller et actuel sénateur du président de la République m'a donné 6 armes à feu de calibre 9 mm. Avec pour mission de les apporter à La Saline, de les remettre à Raymond Fuit, Jean-Edouard Roy, Fresny Balthazar, Jude Millien, etc. Septième. Le 10 avril 2013, plusieurs membres du gang montés à bord de deux véhicules, dont celui du sénateur Edwin Zeni, immatriculé OF20828, piloté par Edner Gomez et une Land Cruiser grise. Appartenant à Joseph Lambert, ont transporté 6 boîtes de cocaïne de Jacmel à Wanamut. Cette drogue a été livrée à une autorité de la ville de Dijon. Bertoni alias Tampon, Alain Moïse et moi-même, nous nous trouvions dans le second véhicule pour sécuriser ma chemise. Cassine Bertrand, un cousin de ma mère, a été tué à Péridou par Alain Moïse. Il était un commerçant, il lui était reproché d'avoir des opinions politiques contraires à celles de l'ex-sénateur Joseph Lambert, aujourd'hui sénateur. D'Albert Berton a été tué par Edijon et il l'a pompé sur ordre du sénateur Joseph Lambert. Les ordres que j'ai choisi de ne pas exécuter en février 2013. L'ex-sénateur m'a engagé pour assassiner le député Sorel Jacinthe. Il m'a donné une bouteille que je devais placer à l'intérieur ou sur le véhicule du député Sorel Jacinthe. Une Land Cruiser de couleur or, portable avec enregistrant un message vocal prétextant que le député Arnel Bélizère avait communiqué avec le député Sorel Jacinthe et qu'il lui avait fixé rendez-vous à La Saline. J'ai reçu pour mission de déposer dans le véhicule du sénateur Moïse Jean-Charles une cargaison de drogue pour qu'une arrestation soit orchestrée à l'encontre du dit sénateur. J'ai commencé par exécuter ce travail. J'avais déjà en ma possession de la drogue. Tout était planifié. J'ai finalement décidé de ne pas donner suite. De plus, je devais aussi procéder à l'identification et à l'exécution du député Lévaillant Lujeune avant le 29 avril 2013. Mes amis. Selon toute vraisemblance, le sénateur Lambert tient à éliminer les députés Sourel Jacinthe et Lévaillant Lujeune à raison des déclarations de ces derniers sur les ondes de plusieurs stations de radio de la capitale, selon lesquelles
les sénateurs ne peuvent vivre en Haïti sans le bénéfice de l'unité parlementaire ou la couverture de pouvoir politique. Est-ce que nous tendez, auditeurs, auditrices de Radio Télé Louvrier, est-ce que nous tendez? Déclaration de Shelson Sanon, rapport de RNDDH. Mes pays que nous gagnons. Et je vous dis, d'après tout ça qui dit, c'est même Joseph Lambert Saha qui est capable de venir président Sénat pays noir et président Assemblée nationale. Voilà. Et c'est qui ça? Moun sa yo bay jeune yo nan pays a, qui sa yo bay comme exemple? Qui moun yo ka suivre comme exemple? Si toutefois ça, Shelson Sanon dit c'est vrai, parce que jusqu'à présent, Shelson Sanon n'a pas jamais mené devant juge, dis donc. Jusqu'à présent, non? Depuis sous Matéli, oui, yo arrêté. Et gen pile démarche qui t'a fait pour essayer de la gueule, mais gen pile veillé qui t'a fait tout parce que t'es pensé que t'es quand même tué lui dans la prison pour ne pas parler. Et journée aujourd'hui, successeur Michel Matéli n'est autre que Jovenel Moïse. Donc qui montre que Shelson Sanon, c'est un type qui semblait que Pape Jean-Marc est en prison. Tout autant que c'est le gouvernement ça qui est là. Donc, voilà la situation que nous avons vécue dans le pays, que nous avons supposé gagner des mouns de caractère, des mouns qui gagnent moral la dernière, qui en tête pays a, et d'après ça, nous entendons là son situation qui est vraiment, vraiment, vraiment écœurante. C'est un bagage qui va être sauté. Et si je vous dis à nous prendre gagner, moun sa yo quand tête pays encore, dans le niveau Sénat, bagage yo très grave, bagage yo très grave, yo très, 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 très grave. En tout cas, on nous passe yon ti musique, n'a pas d'autres chances pour payer en attendant que nous prenons le fait. Et contact là ensemble avec René Civil. Mais après, nous connaissons que l'émission assure son patronage de Quality Consulting Services qui est dans 927 South Goodwin Avenue, suite 210 dans Orlando, deuxième étage. Et n'importe travail, taxe ou besoin, surtout saison taxe a commencé là. Ou capable de passer ouais nous, confier nous travail ou taxe ou gros taxe, petit taxe, j'en ai dit bien là. Qu'on va travailler avec tête ou, qu'on va travailler un côté, qu'on va faire taxe, quel que soit taxe là, nous qu'on fait pour vous. Et nous qu'on, depuis 1991, nous avons fait travailler ça, pas bon ici, dans Orlando. Et nous qu'on dit que, jusqu'à présent, nous baillons de bon travail. Vous besoin de faire travail immigration, même bagaille. Traduction document, recherche document, checker ensemble avec Quality Consulting Services, qui est le QCS. Vous besoin de faire ADN, ça veut dire DNA, soit pour immigration, pour ambassade, ou bien tribunal, ou bien on t'a fait ou personnellement pour connaître son petit monde pour vous, nous n'avons pas de problème parce que nous avec un plus gros laboratoire qui ici aux États-Unis et qui est capable de faire bagaille ça. Et où tu as besoin de faire transfert, l'argent transfert manger, nous sommes représentants Unitransfer. Ou besoin mettre minute sous téléphone nous avec Boss Révolution, nous qu'a fait ça pour. Dans jour pas le vinyo, nous pas ouvert le dimanche à cause de taxes là et mais et la fois qu'on est que Quality Consulting Services là pour vous. Téléphone nous c'est 407 418 8058, m'a répété le 407 418 8058 et cellulaire nous c'est 8 63 677 48 57. Nous allons passer une petite musique, juste le temps pour nous capables de courir, chercher René Civil, la vérité. Les chapeaux d'un vallée, Haïti dans la déboute, la
misère n'est pas capable. Tout pays a un pas bon fait, personne n'a qu'à le faire. Yo prend chimel en mer. Yo dilité dans son bateau. Bien ça tombe dans l'eau. Bien vent qu'à gripper yo. Ça ici, c'est pas pareil. Dans notre cantonnet. Où yo pas de chimel. Yo tiches pour yo. Yo tendresse pour yo. Yo favel pour yo. Yo l'honneur pour yo. Nous épaules pour yo. Yo parole pour yo. Yo bonté pour yo. L'amitié pour yo. La misère n'est pas chamboute. Tout pays avec Grigi, et c'est des grands courriers. Où y aller, Miami? Yo qui vit et l'enfant bateau, yo fait fausse couche dans l'eau, mauvais temps barrio. Américain, pas les haïtiens, yo fait yo retourner. Passe yo par Cuba. Une tichesse pour yo, une tendresse pour yo, une faveur pour yo, une honneur pour yo, nos épaules pour yo, une parole pour yo, une bonté pour yo, l'amitié pour yo. Comme c'était annoncé, nous déjà gagné ensemble avec nous René Civil, nous t'ai déjà dit nous ça. Et René Civil fait un petit causer ensemble avec nous. Et Assoya sur radio télé L'Ouvrier, nous pral immédiatement mettre li en ordre, n'a dit René Civil, bonsoir, comment vous êtes? Bonne année. Bonsoir à toute l'équipe là et bonne année. Nous souhaitons un pile santé, un pile courage et puis avec un pile bonheur et prospérité. La pile tout le monde capte l'émission ça tourne là, la radio et à travers l'autre voix qui capte l'émission ça. Nous souhaitons une bonne année 2018, une année de paix, une année de solidarité, une année pour que plus grand pile santé et prospérité. Et dans deux mon Dieu, demandez mon Dieu pour nous protéger vie, économie, santé et tout ça. Bonsoir Edith, bien content pour nous. Merci pour la présence à Soya dans beaucoup d'émissions Radio L'Ouvrier qui toujours passé et qui permettent pour nous connaître un peu de temps à passer. René Civil, année a fait commencer. C'est vous qui premier invité. Premier invité. Et dans l'émission L'Ouvrier. Premier invité dans l'émission L'Ouvrier la VG. Et nous pral déraper rapide parce que tellement qu'il y a pour nous parler, René Civil. Et nous connaît chaque fois, où on a commencé, toujours dit mon nom, bonne année, bonne santé, et santé, longévité, prospérité, et en créole même nous dit la raisonner. Mais est-ce que journée aujourd'hui nous capable de dire bonne année dans le pays d'Haïti vu la situation pour le peuple haïtien? Oui, c'est un honneur pour moi pour ce premier invité. Beaucoup émission ça. Merci en pile et puis encore. Merci en pile, en pile, en pile. Alors, on va dire, comme c'est une tradition, les traditions, ils viennent tout de même ou bien en habitude. On va venir même à donner une loi dans la nature, mais en ces traditions, on est mon obligé, et qui parfois que mon carrément qui dit, pas de quoi, pas de quoi pour ta dire au monde en Haïti, bonne année, la raisonnée, ou bien quelconque, parce que, il y a
deuxième année déjà, une fois à un passager. Au contraire, l'année dernière, tout le monde nous a dit bon année, nous passons une mauvaise année. Le dernier jour de l'année, à ne pas constater dans le pays, et puis c'était un pays qui passe l'enfer, où le pays a chargé avec Fatra. Il y a tellement chargé avec Fatra, ça a misère. Le monde qui travaille dans l'État n'a pas touché. On ne sait pas si le pays n'a pas fait social, il ne peut pas passer ni de l'autre. Pourquoi on veut qu'il y ait une administration publique et qui ait 30 ans, 10 ans, 15 ans pour faire la machine à la rue, on peut peut-être mis pour ton petit train chef pour l'autre 12 mois, 11 mois. Et qui n'écoute pas toucher même, et ensuite, l'État n'a pas fait aucun geste de solidarité dans le grand monde, aller au petit monde. Même quand c'est une misère extrême, une situation très difficile, tout le monde va bien mon aux États-Unis, au Canada, en France. Et même en République dominicaine, qui te permet de jouer dans le bagage, qui mange, qui ne fait pas, c'est des catastrophiques. Bon, là encore, pas de force à courage, pas de histoire pour des gens de bonne année. Sauf le monde qui te permet que vous voyez ça comme une habitude, je dis. Mais l'année a même commencé pour nous en habitude. D'abord, parce que depuis l'année a commencé, c'est la pluie qui a tombé. Papa, au compte de la pluie a tombé, c'est des réductions. Mais elle est tombée trop tôt. Donc, on va dire annoncer, on va dire où elle va. Bon, et bien, on dit, ma parole, voilà, il vient du département en bas de la pluie. Et, dans le port de paix, moi, oui, sous le salaire, vous voyez, vous voyez, toi, tu as écouté. Qui décolonnait, ils ont jeté la tombe, oui, et puis plusieurs autres péchés, ils ont quand même pris une côté de l'hôpital des hôpitaux avec eux. Déjà, ils n'ont pas qu'à dire que les haïtiens ont une bonne année, parce que chaque annonce là pour lui, il plus qu'il y a une misère, plus qu'il y a une tribulation, mais ensuite, politiquement en Haïti, pas d'espoir, pas de lien d'espoir, c'est le découragement, le désenchantement total par rapport à fonctionnement et action que l'État en Haïti. À poser. C'est après qu'ils sont l'État qui même en face aux populations. Et comment est sécurité à y est? Parce que nous prenons nouvelle aujourd'hui, par exemple, bon, en zone Champ-de-Mars, aux environs du palais, ils ont été arrivés et tués deux mouns, apparemment, qui tapaient et rançonnaient, ils sont ingénieurs qui étaient sur la banque. Et gagne un troisième d'après sa nouvelle Yobay qui sauve. Mais comment en général sécurité a été dans le pays à un moment ça n'a pas l'air et où est-ce que c'est vous frère, nous même dans l'émergence patriotique, nous faisons cette sous victime de la sécurité. Donc on j'aime la sortie de l'expérience et il y a 29 ans, maintenant, les gagnants familles qui a son moto basé. Le 27 décembre, il a été assassiné par des malfrats qui forçaient le Baïmoto à malgré la paix. Il a fait tuer. Ouais, nous avons une victime. Et ensuite, pendant même tout ça, c'est qu'il y a plusieurs mondes, nous avons eu un appel, nous avons eu un mot, oui, ça a été ça à l'hôpital. Et jusqu'ici, on ne va pas sortir la banque. Ouais, il y a fait tuer, il y a eu blessé, il y a eu un problème. Mais en plus, ou pas qu'à un bel téléphone dans le pays, ou pas qu'à un bon moto, ou pas qu'à gagner des droits circulés, ou pas qu'une des hommes armés qui braquent les armes et qui prennent et sous le fait même ou mourir. Avec insécurité en Haïti, c'est pas qu'à être chargé. Il n'y a pas de nous parce que, par contre, pour qu'ils les ont appris journalistes, appris radio, caché phénomène de sécurité. Hein. Mais, Mathieu, on a plein de sécurité, en dehors de l'insécurité sociale, là, et qui est insécurité économique, là, mais, affecter le monde physiquement pour prendre ça, ma mère, pour bailler, pour bagarre grave, et chaque jour, il augmente, et chaque jour, ça passe à l'aide. C'est vraiment grave, et bon, on dit que plusieurs phénomènes liés à cause de ça, c'est la misère, là, augmenter, qui multiplie, qui croît, qui crée. Donc, il y a un autre travail, c'est tout le monde là qui n'a pas jamais gagné pour faire pour même créer un travail pour le monde. Du tout, pas tant de bagages à du tout, soit dans ton big deal, donc pas dans le monde qui va travailler en Haïti. Troisièmement, c'est que, et mon grand goût, et ensuite, il y a les banditismes, les banditismes nés, les gens qui sont nés bandits, pas aucun moyen pour
aider ou changer du comportement. C'est vraiment grave, ça fait insécurité en Haïti. L'une de jour en jour, après des difficiles, ça a été plus qu'être chargé et plus qu'être chargé. C'est comme ça, Noël, pour le moment. Et qui disposition ouais, que l'État, la police prend? Est-ce qu'on ouais, que un changement dans le comportement yo, juste pour être capable de freiner et sinon disparaître l'insécurité? On ne va pas aller tellement critiquer la police nationale parce que la seule institution qui est capable d'aller monter la sécurité, c'est reconnaître le travail. Et bien, cette police-là, on connaît la capacité, la détermination, la volonté pour les maïs, mais pas payer pour une institution policière qui la majorité mondiale. Et il y a un pile policier qui va dire ça qui critique la chimie. Parce que par exemple, par exemple, ouais, il faut ça, il mourir dans la vie, il n'y a pas de sécurité. Et nous songez à utiliser son paquet en dehors du policier, qui était policier, nous devons aller dans la zone grave, ou un policier qui mourut, qui mort dans ses mains, qui va dire, c'est un arrêt grave, où la police a même commencé à la veille. Ces années-là, il y a eu des manifestations dans la rue, pas dans la radio. Moi, j'ai fait des dizaines qui ont rencontré, moi, j'ai demandé nos supports pour nous aider, pour nous aider, parce que les gens ne sont pas enterrés, ils ne sont pas payés, ils ne sont pas payés pour manger, ils ne sont pas payés pour les développer, ils ne sont pas payés combien de mois. Madame dit que pas carré au l'école, il va pas payer caille. Les gens qui m'ont politique, moi, critiquer la dame, il va pas caille. Ça veut dire, c'est une institution qui frustre. Mais en dehors de ça, la fin des gens qui ont passé, c'est une cérémonie d'appareil national, qui est très politique à rentrer, ils ont intimé le directeur politique à l'autre pour quitter la machine. D'ailleurs, dans la rue, pour passer de l'autre. Ça, c'est une crise de frustration, mais malheureusement, non, oui, il n'y a pas de problème, il y a fait du commandant, il y a fait un série de bagages, il n'y a pas de problème. Mais son police, qui n'a pas de moyens pour le travail. Il n'y a pas de série de matériel, ouais, on ne peut pas toucher à temps, et matériel roulant, il n'y a pas fiable, il y a crasé, ouais, c'est mon nom, il n'y a pas de journée sans manger. Je ne sais pas si il y a un travail 24 fois que tu veux, c'est un police qui semble fatigué, et maintenant, qui est dans Dieu, on est ça, et puis il agit. Même penser l'État haïtien, il y a un gros problème, parce que le monde a dirigé l'État haïtien, il n'y a pas montré à la hauteur de sa tâche, il n'y a pas montré sa capacité, il n'y a pas déterminant. Donc, c'est des mondes qui ont dans l'État qui ont cherché du bien-être personnel, qui ont trouvé que dans ce corps sorti, que dans ce programme sorti, qui ont fait appel, mais ce n'est pas des mondes qui ont pensé le pays, qui ont pensé l'État et qui ont pensé sauvegarde et protection de ses citoyens. René Civil, m'pa konnen sou tap tande anvan ke m rentre nan interview avec toi. Et peut-être, pas peut-être, assurément ou au courant de rapport RNDDH te mette dehors sous affaire Chelson Sanon, déclaration que Chelson Sanon te fait sous yon ancien sénateur et un sénateur actuel, n'a parlé de Edo Zini ensemble avec Joseph Lambert. Et gros déclaration, gros accusation, et qui t'a même montré que tu as gagné des plans pour assassiner et un député à l'époque qui est sénateur Kounian a parlé de député, comment il s'appelle encore, il est sorti dans la Gandos, Sorel Jacinthe. Et t'es gagné député le vaillant Louis Jeuneteau que même petit bonhomme ça t'es fait qu'on est que t'es gagné des plans pour que et Joseph Lambert actuel sénateur t'es arrivé et fait assassiner. Mais il n'a pas gâché son santé dit. Il dit que raison qui fait que et Joseph Lambert t'a voulu assassiner Sorel Jacinthe, qui lui-même était député à l'époque, qui connaissait ses sénateurs, c'est du fait que l'ité dit, et ni lui-même, ni le vaillant Louis Jeune, dit que, et Joseph Lambert n'a pas qu'à vivre au moment sans immunité parlementaire, parce qu'il connaît depuis le paquet immunité, et il a fait un genre
surtout qu'on est américain pas bon ici, rentrer en Haïti, même Jean Royo fait Guy Philippe, etc., rentrer avec lui pas bon ici dans Miami pour juger pour question de drogue. Mais je ne j'en dis, hein, comment nous considérer que Yui la tortue, ne pas venir sur Yui parce que Kayoui a son ton cas d'espèce, mais Yui la tortue, lui déclarer que l'a appuyé et Joseph Lambert pour le président Sénat République là. Et en pile, moun pense que définitivement Joseph Lambert, li pral président Sénat République là et président Assemblée nationale là. Donc, ou même en tant que jeune, en tant que homme politique dans le pays, est-ce que nous avons un bon signal lié pour le pays d'Haïti, le nous considérer passer moun sa yo, accusation que vous faites sous yo, et je ne jodi assez vous même qui au timon des affaires dans le pays? Moi, je connais Joseph Lambert. Je connais Joseph Lambert, je viens de Gatmel. Joseph Lambert, c'est un sénateur dans le Sud-Est. Maintenant, politique en Haïti, ça ne veut pas dire la politique sans fanatisme. Il va falloir que je connais Joseph Lambert, parce qu'il y a un agent qui est politique, la même chapelle à elle. À juste titre, Joseph Lambert, qui me connaît, on a des critiques, on connaît des critiques. Même pas justifier exactement ce que tu parce qu'en Haïti, qu'on lit politique, qui toujours fait, il fait à plusieurs niveaux. Il y a des niveaux faits qui dépassent ou bien qui donc. Mais au gros problème dans le pays, au gros problème dans le pays, monde, que nous n'avons pas jamais cité, nous n'avons pas jamais rien dans le pays. Ou du moins, les citoyens n'ont pas jamais la valeur. Et en plus, international, la compagnie, j'aime les gens qui sont en train pour diriger le pays, pour diriger l'institution, parce que les gens sont la tête haute, tout digne, et ils sont capables de défendre quel que soit ça, ils sont défendre pour aller. Comme elle est ma femme, c'est. Et deuxièmement, il y a des gens qui ont des capacités qui veulent, mais l'autre monde essaye à salir, pour permettre qu'ils ne soient pas en et qu'il y a des mondes, c'est des mondes qui ont posé des actions, qui ont réel, mais c'est eux qui ont une protection internationale, c'est eux qui ont l'argent, et où on a une façon, et les sciences fait en Haïti, pour pas gagner corps, pour pas les mondes manger, pour acheter votre dans le conseil électoral à travers mon conseil électoral, pour acheter qui n'a pas de vie, pour pas gagner l'élection. Et ça, on finit au timon des affaires. Maintenant, connaissant l'ambert qui grave en plus pour ce Sénat, moi qui t'en dis, Chelson, elle te suit une déclaration, elle me déclarait par l'ambert, et moi-même, je ne vais pas condamner l'autre monde, je vais condamner la justice haïtienne. Secondement, il faut être liable, qui déroule, qui dénonce un citoyen. La justice vient pour le temps des mondes, pour le temps des mondes qui dénoncent cette liable, et puis, surtout une décision judiciaire qui vous permet de nous connaître de quoi il en est. Mais pour le moment, quand je m'en parle à moi, ça va bien peut-être m'en cacher son et l'envers. Et l'autre de Chelson, il dit c'est vrai, l'autre de l'envers, il dit son coup de route de toutes pièces. Et ça a créé une confusion. Et en plus, après dossier ça, l'envers est élu sénateur de la République pour le département du Sud-Est. Là, il n'a pas le mal, il fonctionnait. On est très intelligent, il y a des bêtes politiques qui ont plus de capacité. Et puis, on est tout, même quand on est dans plus de discernement. Bon, même après, nous, dans le Sud-Est, après le monde pas pour la paix, après le monde pas pour la paix, mais dans le Sud-Est, tout, sans la publicité pour lui, il y a une série de routes qui étaient servies avec matériel de l'État, qui étaient désenclavées. Ça permet d'aller dans l'autorité. C'est pas Tifrenia. Tifrenia, il y a une mauvaise note, une mauvaise tempérament de vie, à Fadi. Mais pour l'enfer, il y a toujours un souplet par rapport à Jacques Salle. Moi, c'est Jacques Salle, le sénateur. Rivé au Parlement, maintenant, c'est pour lui, tout le temps, rivé au Parlement, ou rivé dans le Croix-Croix, c'est influence qui doit déterminer tout l'autre sénateur, comment tu es capable de couteau venir dans cette vie. Même qu'on est l'envers, ses amis, oui, l'envers ses amis minoritaires, ses amis majoritaires. Et c'est là où l'envers va jouer une chance, sans débat, pas loin de la passer sans débat, et sans gros rôle, l'envers après le président Sénat.
Maintenant, en tant que citoyen, jeune garçon, mon qui préoccupé par la politique, toujours demandé de mon garçon son soumis, pour faire effort avec ses cris, pour lui poser problème dans le plan judiciaire et résoudre problème dans retirer son soumis. Sénateur Lambert, en tant que principal président du Sénat, il a fait la disposition de la justice pour financer ce ça parce que c'est vous-même, à l'extérieur du pays, pensez à un tel dossier, parce que le monde a pris la PIA, même si vous ne parlez pas, il a pensé à ce dossier. Moi-même, mon Dieu, pas moi, en tant que monde a fait politique souterrain, et qui connaît comment vous parlez politique, moi, j'ai un grand conseil du sénateur, c'est signer ce dossier, ça a déterminé. Et moi-même, moi, la justice vient pour le voir, pour déterminer et finir à ce ça, pour dire qu'on qui a raison, qui a tort, et qui fait gros actes à eux, tel son d'abdio, gros actes à eux, tel son d'abdio, si on a résisté, c'est-à-dire, on a bien placé au niveau du Parlement. Malheureusement, sans faire déterminer, et il y a une élection, il gagne l'élection, maintenant il est sénateur. Alors, il va falloir le président du Sénat. Ça a créé un peu de gros, ça a créé un peu de doute, ça a créé des suspicions. Mais de fait, il est sénateur, il est partisan de la minorité et ainsi de la majorité. La présidente du Sénat, mais pour nous, c'est pour la société et pour faisant la politique autrement, ça a causé des problèmes. Dans l'agenda monde, il a voulu venir du GPI à des manières plus honnêtes, plus crédibles. Et en nous aller un peu plus loin, où est-ce que temps pour répondre vraiment à la question, mais est-ce que Joseph Lambert, j'aime intérêt, montrer intérêt pour que la justice t'a saisi de questions, surtout. Et on connaît que le gouvernement ou bien l'administration Martelly, la Motte, Martelly et finalement Martelly Paul, et c'est eux qui étaient là. Et Joseph Lambert a servi et président Martelly comme conseiller. Et je l'ai aujourd'hui, hein, c'est PHTK qui font un petit coup de bail PHTK. Donc, et est-ce que le patron intérêt, Joseph Lambert, si c'est vrai, il était besoin de justice fait travail, pour le témoin de clarifier, j'en sorte dire, hein, pour le témoin de la justice, prendre elle en question, ou bien est-ce que c'est pas influencieux, je vous dis, qui gèbe cher son salon jusqu'à présent, derrière barreau, et la justice pas jamais entendu. C'est bien peut-être influencieux, parce que les gens qui ont pouvoir, les chefs citoyens pour une action comme ça, même si vous avez intérêt, faire rapide, vous trouvez tant mieux, mais il n'y a pas une punition. C'est son frère, et la justice passe à la dos et où on a prison. Et prison, c'est pas un fait à faire. Deuxièmement, moi, je crois que Lambert a dit que ce n'est pas nécessaire, c'est parce que ça n'a pas tellement influencé sous l'autorité, ou bien pas influencé sous la popularité dans les CDS. Moi, je crois que c'est ça qui t'a fait pour l'histoire. Si le président de la perception n'a pas été sur le côté, moi, je pense que ça fait plus fort. Et ces populations même qui n'est pas très exigeante, qui n'est pas trop au sérieux, qui fait du tout garder des exigences. Ça, c'est des bagailles, mais on ne peut pas avoir raison pour qui ça. Parce que lorsqu'on est citoyen dirigeant, lorsqu'on est l'idée, lorsqu'on est aspiré à diriger le pays, on agit avec un pile intelligent et toujours récupérer tout soupçon de vous pour gagner plus d'autorité, pour gagner un pile de valeur, et que vous gagnez personne qui est capable de gagner un enjeu parce que vous faites respecter les thèses de l'État de l'État. Donc, malheureusement, ça va faire. Moi, je souhaite qu'il est encore tôt. Il pourrait le faire si les manifestants et si conseillers d'Antin Félix. Parce que, ou bien doit chef, ou bien doit autorité, mais ou pas bien vraiment autorité de l'État, ou pas bien valeur que la société a inculqué dans le monde. C'est ça, autorité. Mais, moi, je crois que c'est un manque d'implication de la population pour joindre une réponse à cette partie-là.
Et que dans le cas de vous faire payer plus à monde qui dénonce ce cas en prison, le sénateur a gardé ça et puis dit, ah, on va continuer à être en prison. Moi-même, je dis, parce que la population n'a pas exigé trop de ça aller comme ça. Mais ça, appareil judiciaire là pour beaucoup, parce que quand il s'agit de ça, nous des problèmes de guerre. L'indépendance, c'est quoi pouvoir? Les pouvoirs de justice. Qui toujours prend pouvoir judiciaire là, les marines, et pouvoir législatif là, qui toujours traduit comme cobaye. Tous les autres pouvoirs ça y est, qui permettent justice là, par exemple, rendu à mon niveau là. Et par exemple, prendre des décisions pour l'éclaircir au sein des dossiers qui ont un caractère national étatique. Les hommes d'État, ou bien anciens hommes d'État, et des soupçons sous lui, il faut que la justice rende la là claire. Et c'est déjà ce qui fait tout le bien. La justice, pas bien pour l'attendre, mon nom, ni c'est pas fait. La justice, pas bien pour l'attendre, mon nom, car c'est quand c'est fait pour lui. Donc là, non plus, il faut que la justice la respecte, c'est des autorités, c'est des pouvoirs. Maintenant, il faut que les pouvoirs pour l'éclaircir ça. Moi-même, je ne vais pas condamner ni de l'Ampère, pas condamner Michelson, il fait que condamner les autorités judiciaires qui toujours prennent justice là, elle va s'en passer. Et en nous traverser, lundi, si Dieu veut, c'est va réouverture, quoi, c'est clôture, session parlementaire là, et puis pour y ouvrir l'autre. Et tu as une discussion sous affaire et 10 sénateurs, tu as supposé faire élection pour eux. Et nous semblait, d'après ça qui dit, c'est une entente qui fait entre l'exécutif et le législatif. Donc, comment ou même ou comprendre ça, René Civil? Compromis, compromission, quel que soit ça, lié, est-ce que le normal? Et c'est un véritable problème de l'IA. Il y a des lois qui régissent différents domaines fonctionnement de l'État et des autorités. Loi de salut émane la Constitution. C'est une loi qui découle de l'IA. La Constitution dit que les sénateurs sont élus pour 6 ans. Maintenant, dans la législature précédente, il y a une loi électorale qui est notifiée. Il y a un sénateur qui est élu, la accouille avec le mandat qui est élu. Mais pour les élections passées, ou les communes qui sont dans le Sénat, la loi électorale n'a pas notifié ça. La Constitution, dans son article 395 de la Constitution, je voulais vous oublier, excusez-moi. J'ai passé de fini et aussi mandat pour 6 ans. Allô? Oui, oui, nous là, nous là. Et mandat pour 6 ans. Maintenant, le sénateur a gagné pour faire 6 ans mandat. Maintenant, nous avons l'État et qui est-ce qui détermine les mandats? C'est les conseils électoraux provisoires. Et le conseil électoral ne soit tellement pas correct, tellement pas correct, missionné, il est voué par loin d'appuyer l'exécutif et l'exécutif. Mais écoutez, René Civil, excusez-nous. Est-ce que nous sommes capables d'accuser le conseil électoral provisoire là, alors que le conseil électoral provisoire qui là, c'est une mission bien définie. Il n'est pas doué arriver côté le rivé là. Pour le tap faire élection pour 10 sénateurs, ça y est. Mission était supposée prendre fin déjà. Nous-mêmes, en tant que responsables politiques dans le pays, est-ce que nous-mêmes nous montons au créneau pour nous dénoncer bagaille ça? Parce que normalement, le conseil électoral qui l'a, t'as supposé au conseil électoral hors la loi, illégal, qu'on y est. Il est le conseil électoral hors la loi, illégal. Et vraiment, avant les élections, nous avons dénoncé et avec toute rigueur pour le conseil électoral. Et après l'élection, nous avons dénoncé le conseil électoral parce que nous sommes bons, nous n'avons pas été illégal là, il y a taxe de là. Et nous demandons pour qu'il y ait un dialogue entre les partis politiques, entre les forces vives de la société, c'était notre position avant les 12 septembre, pour que. Nous avons un conseil électoral. Le conseil électoral, ça, comme nous dit permanent, mais nous avons dit, pour voir que le conseil électoral, ça, là, mais c'est là, qui manquait légitimité, qui manquait, soit
c'est autorité, parce qu'ils ont marqué le peuple là-bas, tout le monde quand on va élection à essayer. Nous dit que sans le parlement qui habilite les bourgeoisions, le pouvoir judiciaire qui est une branche du pouvoir exécutif, comme nous considérons, et le pouvoir exécutif qui n'a pas aucune autorité, nous avons besoin de contacter monde dans toute société à travers une partie politique pour que nous tirions au sort qui fait public devant la presse, nous avons choisi une série de citoyens. Et que nos citoyens sont là pour choisir le monde pour le conseil électoral. Qui est capable de déterminer pour certaines décisions pour la population à couler du saillot? C'est tout à fait. Et nous avons bénéficié d'une fraction déposée dans le conseil électoral là. C'est que c'est eux qui mettent le monde là pour qu'ils aient rédévance avec eux. Même là, si on est élégant, le mandat qui était exécutif avec parlement d'avoir été affaire. Mandat, même si c'est nommé ou dénommé Mounio, je t'appelle. Mais je suis tellement restable, je suis tellement pas d'aucun pouvoir, je suis tellement qu'on n'est pas exécutif, je suis illégal, je laisse la réalité de la côte. D'ailleurs, le pouvoir exécutif n'a aucun pouvoir qui s'est fait. Deux livres. Le pouvoir exécutif n'a pas qu'il doit déterminer le mandat. Et d'ailleurs, je ne pas qu'à autodéterminer au Sénat mandat, c'est mettre en application la Constitution qui dit qu'il y aura pour 10 ans. Maintenant, qu'est-ce que le Parlement majorité a autour? C'est petit exécutif là, parce que ce n'est pas des gens qui ont contrôlé l'exécutif. C'est des gens qui prennent compte dans l'exécutif là, c'est des gens qui demandent l'exécutif là, et c'est des gens qui collaborent, qui nomment les gens pour l'exécutif là, qui ne sont pas capables de contrôler l'exécutif là. Et on ne pas que c'est des gens malins, des Haïtiens, qui se battent à la crise dans le contexte comme ça. Et moi-même, je crois qu'ils ont dans l'obligation pour faire mandat, suivant la Constitution, parce que nous sommes pour la Constitution, et permettre que des décisions qui doivent être à l'avenir, et d'un combat à mener, pour qu'ils résolvent le problème ça. Résolvent le problème là comment? Si on est élu pour 6 ans, et qu'il y a l'autre 10 qui finit mis, cette élection pour saluer élu pour 6 ans, et puis il y a fait élection de l'Université. Ça veut dire pour stabiliser le mandat. Tout ce qu'on fait, il doit être dit ou perdu par tiers. Maintenant, on ne peut pas faire pas bien, pas trois tiers, ou après deux tiers, plutôt l'autre tiers. Parce qu'ils sont beaucoup de problèmes. Il a pensé à la Constitution. Qui n'a pas réfléchi à ça, qui n'a pas réfléchi à la vie, qui a eu une guerre pour politique. Mais malheureusement, il n'y a pas de réfléchir, c'est l'équipe de rival. Les problèmes n'ont pas été contacts qui ont créé ce qui a été difficile là. Et il a servi avec la constitution, avec ses droits, et la normale, pour le résultat, et que les institutions sont capables de créer même les institutions dans une direction de faiblesse extraordinaire. Mais est-ce que nous capables de jouer aujourd'hui? Il a parlé de constitution, l'un a gardé constitution 1987, des fois dans des constitutions 1987 amendées. Donc, nous-mêmes, personnellement dans la diaspora, en pile dans nous, bon petit problème, sous qui constitution nous y est exactement? Parce que des fois, nous entendons certains parlementaires, certains hommes de loi, certains politiciens ou bien hommes politiques, il y a moyen, un article dans Constitution Kondou, la Constitution de 1987. Et des fois, tout y a allé, et Yodou, la Constitution, tel article de la Constitution de 1987, amendé. Donc, jusqu'à présent, nous, on floue là, nous ne connaissons pas qui s'ennuie. Surtout, vous songez même gens avec moi, ou des civils, que vous avez accusé l'équipe de Préval de manipuler les constitutions, amendement que vous avez fait la Constitution, le rapport pour l'année, que vous avez fait des changements. Et fait là-dedans. Et deuxièmement, ils ont parlé de le fait que la Constitution amendée pas présentée en français et en créole, c'est comme si il pas existé. Donc, qui ça n'a pas dit la première? On dénonce demander ça, c'est pas un avancement constitutionnel, c'est un choc
pas des problèmes dans l'application. Même si les gens sont bonnes, ouais, faut qu'il y ait adaptation à la nouvelle réalité. Pour avoir une constitution à traiter sa créativité modèle d'avant. Ça, le principe, il n'y a pas de risque. Et puis, on va dire au Parlement, amendement 17 là. C'est pas lié, qu'il y a un changement qui fait en route, il y a un qui met ça, c'est pas lié. Mais qui nous fait dire, nous partenons, qui est président de la matinée, c'est lié. Bon, c'est bon pour lui, il fait pour rendre à la président rival, de recruter mémoire, et bien, il fait plier. Maintenant, depuis l'heure là, on se dit, on va retirer, parce que la constitution de 1927, il fait action parce qu'il nous a été la constitution. Il y a des créoles et des français. Et la langue maternelle, et la langue développementale, la langue culturelle, la vraie langue, il ne peut pas dire des créoles. Ouais. C'est la langue colonialiste, c'est la langue française. C'est la langue colonisateur. Maintenant, nous décidons de mettre nos peuples en ordre. Pour nous finir, et là nous faisons bon petit parler à soi. Il y a deux dernières questions pour vous. Et qui sont attendues de lundi pour arriver là dans le Parlement? Et comment pensez-vous que et, ça va le faire? Le président vient pour le bail État Nation et chef gouvernement lui-même vient pour le bail un bilan et de sa gouvernement dans les réalisé et pendant et depuis le les sous pouvoir là et gain des sénateurs qui peuvent retourner là il y a plus monde qui dit que c'est en 2019 et il a supposé finir mandat il a fini qu'on a dans 2020 même là ensemble avec chambre députée etc etc donc à qui ça que nous attendons et qui va le faire dans le Parlement en Assemblée nationale qui va le faire le 18 juin. On n'a pas à travailler, hein. Imaginez vous la situation. Parce que le président, si la paix est à la situation qui au bout du tunnel, qui soulève sur la disparition, parce que son pays qui presque inexistant, institution est offerte, les conditions mangent pour ça qu'il y a un pays. On fait ça, il y a un prix dans le pays, il y a un manque de la grande étage, il y a un prix. Quand il y a un prix, il y a un prix. Oui, c'est toi, il y a un prix.
pays a un gars ou gars à prendre au papa. Il compte $200 et garder tout à national numéro 1, on dit que quand on a machine placé avec eux, pour avoir un boulot ensemble, parce que quel état c'est qu'il y a, on mourit n'importe quoi, parce qu'aucun monde qui va responsabiliser mon nom, chômage à parler de l'État, on dit que c'est qu'on doit aller dans l'État, on révoque, on va payer, la richesse, on a mourit grand coup, pas de l'hôpital, pas de médicaments, bon, on peut y aller. Question. Manifestation lancée pour mardi, un jour après le Parlement rouvert. Et Moïse Jean-Charles, tu es malade, tu reprends. Et est-ce que
c'est toute opposition qui est rentrée dans la logique manifestation mardi, y a y compris émergence démocratique. Patriotique. Oh, émergence patriotique. Et moi, Mathieu, lors de la bataille, lors de la combat, ton choix. Et lors d'une fait choix, c'est avec du courage pour le combat. Mm-hmm. Et maintenant, j'ai un pays à bras de la personne qui n'a pas croisé qui pourrait le combattre. Et si le président nous fait ça, tout à l'heure, il n'a pas croisé qui pourrait le combattre, c'est que le président n'a pas. Ça n'a pas de politique, et ça n'a pas de citoyen, et ça n'a pas de pierre. L'UNEF, sénateur Moïse, a annoncé la manifestation. Maintenant, on va avancer à annoncer le tel, mais il y a des rencontres, il y a des dialogues qu'on a fait, il y a des rencontres qu'on a fait pour mettre les prêts sur les pieds pour que la majorité de l'opposition soit embarquée. Mm-hmm. Embarquée, un, pour aller non à continuité des. Ou mettre au conseil électoral permanent, nous-mêmes, en cours constitutionnel. Et continuer de mener le pays à la pénère. Et on va faire contre l'impôt, contre chômage, contre l'insécurité. Et son bataille, nous allons faire tout pour que l'argent pays à nous voler. Parce que plus de 11 milliards de dollars volés après ce pays-là, personne ne va contre ça au passé. Plus de 3 milliards de dollars volés dans la campagne pour arriver, tout le monde a plaisir, comme la vaca sauvée. René Civil, qui t'a parlé ensemble avec nous. René Civil, nous remercions en pile, pour intervention. Et nous souhaitons encore une fois. C'est moi pour remercier. Parce que vous aidez nous. C'est ça que nous avons fait. Parce que c'est l'équipe qui a passé. C'est un Haïti qui est mon petit patron. Merci, parce que nous sommes prêts pour participer à la réédition. Merci pour le travail. Merci pour nous qui avons tout cette plaque et tout ce travail. Bon Dieu a béni. Haïti, son action, bon Dieu, mais son père béni qui a été, si vous n'avez pas arrêté là. Tout le monde a défendu bon Dieu. Et la nature a payé en sécurité spéciale. Demandez-vous pour qu'elle ait fait pas de projet parce que le travail, ça n'est pas facile. Et le citoyen va faire ça qui est bon. Ça a toujours dit. Il a toujours prêt pour nous mener le combat. Jamais faibli. Les soldats de soupir, parce qu'ils espéraient qu'un jour, après un haïtien qui prend conscience, qui est de la famille. C'est moi qui vous remercie. Merci en plus. Encore, René Civil, passe une très bonne vie, une très bonne semaine et que Haïti revive. Merci en plus. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Depuis pays d'Haïti, c'était René Civil, avec les notables Fonti Palé, et sous ça qui concernait. La politique dans le pays d'Haïti, et nous, bon prêtre, nous allons parler avec les Kounia depuis à 10h, j'étais supposé gagner. Mais vu tant que nous avons avec René Civil, fait que c'est Kounia, nous allons parler avec lui. Père Mathieu, nous allons faire contact avec les outils musiques. Et puis, nous allons oublier que nous allons l'émission L'Ouvrigé la VG sous radio, télé. L'Ouvrigé, ou émission qui paraît chaque samedi dans le Sahara. Ou émission qui permet que...
nous capables de connaître ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Père Mathieu, excusez-moi. Oui, c'est Edwige Romulus. Vous avez mon cœur au dépôt. Ok, un moment. Un moment. Jean nous a déjà annoncé immédiatement après René Civil, nous avons gagné Père Mathieu ensemble avec nous, effectivement. Et nous parlons que Père Mathieu dans un petit moment. Dans quelques secondes, juste pour nous capables de mettre tout le bagage à point, parce que Père Mathieu, lui-même, il a gagné un gros plan, un gros projet pour payer la caille. Et lui-même qui prend le front, si pas là avec nous, je n'ai même pas presque posé Père Mathieu question. Et lui prend le front, si pas là avec nous, parce que je crois que ça a un plan, son projet, son projet qui est très ambitieux et que et un pile haïtien est conséquent à supposer embarquer. Et c'est ça qui fait que, dans le moment, ça a dit Père Mathieu, bonsoir, comment vous y êtes? Bonsoir, M. Edwidge, M. Minel, bonsoir à votre auditeur, Capé. Écoutez-moi, vous prenez un peu fruit. Mon cher, mon père, moi regrette ça, parce que moi-même, qui en Floride, je prends fruit. Tout. D'habitude, Floride, c'est côté contre très chaud, surtout dans l'époque ça. Mais, et matin, c'est la première fois que nous prenons un petit 40 degrés matin. Donc, ça. Ça veut dire que nous n'en ferons du tout. Et c'est notre trentaine. Nous n'en pas trentaine. Matin, nous pourrons 40. Nous espérons que ça a changé pour Koto et à tout. Et en pile, les autres. Yo, et Frenaxe, nous, qui est éparpillé un peu partout. Donc, c'est malheureux. Et, mais en pile neige, en pile fruit. Bon, en fait, c'est une bénédiction parce que j'ai l'air pas tout de nos variations de température. Ça, c'est bon, c'est juste pour montrer que tout bagage a changé. Et puis, il faut que nous changer avec les temps pour l'habitude. Et avec notre température. Mm-hmm. Et nous pas que bon pile, parce que nous connaissons, nous allons faire la messe demain matin. Et introduire la population, non, pour mon capitaine de pour la première fois. Introduire la population, non.
Et bien, Père Mathieu, ça veut dire que vous parlez plus que français avec créole, parce que vous avez dit, vous parlez de quoi? Ok. 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 Français, créole, anglais. Espagnol, oh, ok, ok, d'accord, c'est très bien, c'est très bien. Et ça fait plaisir. Dire qu'on est que, et qu'on pourrait être, comprendre qui parle toute langue ça, et qui a fait plusieurs communautés, et pas seulement la communauté haïtienne. Non, c'est au cas parce que, non, c'est pas très commun. Je suis haïtien, donc je suis haïtien, je suis haïtien, je suis haïtien, je suis haïtien, je et c'est moi chapé moi parce que des fois on entendait que quelqu'un peut être mon fontain gagner dans tel ah oui alors que parce que tu sais et puis oui alors moi aussi on peut faire Dieu. Ok. Ok, ok, ok. En nous rentrer directement non, et Père Mathieu dans le business. Et moi, t'attendais où sur la division de Nil ensemble avec Valérie Lima, l'un de ces jours passés. Et côté que tu as parlé d'un projet, un projet que vous gagnez et pour pays d'Haïti, pour aider pays d'Haïti, qui non seulement. Non, et nettoyage, mais tout, la cause de Sanukaïlé et environnement, et en même temps, tout permettre que gagner l'argent qui généré dans ce sens-là. Est-ce que vous avez dit non, plus ou moins, qui projet c'est qui ça projet? Non, en réalité, ce n'est pas un seul projet. Alors, il y a un projet, alors, vous pouvez me poser une question, vous avec plusieurs par semaine, par la caméra, c'était une débat sur question Fabien. Ça, question Fabien, on a une égalité, et tout pour tout partir dans le pays. C'est Fabien, donc, ça va y avoir une contamination. Donc, vous connaissez, on peut toujours penser que j'ai mon avis, je pense que nous parlons de nous, c'est que nous, nos villes, tout pour nous changer la vie, et toujours nous aussi, le groupe de projets que nous avons réfléchi, pour qui viennent, nous capables. Catégorie, situation, pays, situation fédérationnelle. Mais le projet FATRA, en réalité, nous avons fait un projet de biogaz, donc d'énergie renouvelable. Côté que, on est capable d'utiliser le FATRA pour transformer en énergie, par exemple, en gaz pour pas, ok, tout ça, les chaînes gaz, ça, les cancanions, pour pas, méthane, méthane, et puis, capable de transformer FATRA pour les longues énergies là qui c'est méthane, plus précisément parce que M. Chauvet était intervenu en après, M. Fait comprendre qu'avec FATRA, on capte le méthane. Et méthane, maintenant, les sont gaz que les gens font pour l'immunisation, on peut déroutiner. Donc, à bord, on déroutiner, donc à bord, on capte une copale. Donc, avec ça, ça permet que nous créer des sources d'énergie et puis nous créer tout, nous relancer le marché. Pour créer des sources de revenus pour nous. Par exemple, on peut avoir un film en Haïti, dans le Et ça, c'est pas parce que tu as plusieurs côtés, par exemple, Saint-Mato. Comme je l'ai en réalité, côté de mes vies, qui est sur les oies. Donc, gestion du FADRA. Donc, alors que FADRA, c'est une source de revenus, ça va pour générer des revenus pour nous. Par exemple, c'est une idée de revenus à Paris. Exemple, ça veut dire de biodigesteur. Il y a un système de biogas à bio. Ok. Si tu as un biogas, c'est fallait. Donc, on a un biodigesteur qui est fait de la solide. Par exemple, tout déchet, et on prend un bio, par exemple, le feu, le bois, le terre, le lieu capable de s'arriver en forme de décomposition et combustible. Mais maintenant, le biogas là, c'est petit. Ok. Donc, je prends ce biogas là, qui est un biogas par décomposition. Il y a un biogas par combustion.
que vous capable de dans des compositions, par exemple, l'autre reste, aliment, l'autre excrément, l'humain, excrément bien, vous capable de mettre dans sa famille des petits chèques, des petits composés, et puis vous prenez là, et puis vous prenez là. C'est rien avec lui, vous prenez nous, vous prenez ça, mais il y a même qui finit comme d'utiliser ça comme une source pour lui. Alors, pour les c'est qui côté Père Mathieu vous fait ça? Est-ce que c'est ici ou bien c'est en Haïti vous fait expérience ça? Maintenant, gagnons au sorti là, gagnons café, au cas extrait gaz là, par décomposition, tu as parlé de nourriture, déchets, mais au qu'on a Haïti, les gens tout yon chien ou la gagne sous pile fatra tout, est-ce que sous jouen ou bagay kon sa tout, est-ce que là la combustion, ou bien est-ce que là l'est non? Dans sa carrière de déchets. On chez mourir par exemple. On chez mourir par exemple. Par combustion. L'on fait par combustion. C'est simplement faire avec faire nous. Faire des ok, glace. Action vert. Cristal là qui va bouger parce que il y a vraiment des chaleurs okay. Pour vraiment pour les décomposer. Alors c'est fait avec les rayons qui va et plastique là. C'est tout ce qui est ça, vous mettez dans la combustion, même si c'est caoutchouc, même si c'était au chèque, la gueule sur la glace, vous mettez les lacouleurs et puis la transformer. La combustion a fait là. Dans la chambre, ça, est-ce que c'est une sorte de four que lié, si nous carrions le concert, et est-ce que vous les gagnez des bagailles de yo à une température quelconque ou à quelle température que l'a fait? Et est-ce que des monde qui peuvent supervisionner? La production de concert, c'est tout à fait un amateur. D'accord. Régulateur, côté que vous capable de contrôler la température. C'est sûr que vous faites les gens de régulateur ça vous a compris vous capable de mettre et à côté de vous qui est et la petite courte de l'action chambre là à combien donc comme c'était mon expérience à côté de ça on va être pas essayé c'est pas ton fournis parce que tu as étudié vraiment pour ça c'est juste je cherche ma feuille, donc je m'aboutis avec les côtés que je suis capable de transformer ça. D'abord, mais pour perfectionner la feuille, c'est tout ça aussi. Je vais aider à permettre que les gens, si ma feuille ou appareil, qui c'est mieux et qui est capable d'aller sur ma feuille, sur ma chia. Donc, moi, c'est tout ça aussi des choses à tenir en compte. Maintenant, et Gombaga, où t'es dit
commencement, surtout situation que nous vivons actuellement en Haïti, un pays qui a une insalubrité, nous avons dit à outrance, et fatra, tout côté, Port-au-Prince, plein fatra, cap haïtien, plein fatra. Et donc, on dit que, non seulement que nous sommes capables de libérer le pays, alors, il n'y a pas qu'à faire deux coups tout le pays, mais nous avons besoin de nous libérer de gens de déchets, de gens de fatras qui pas bon pour la santé, qui pas bon pour l'environnement, mais en même temps, tout permettre que moun qui aux environs, moun qui là tout capable de bénéficier et monétairement, capable de jouer un petit l'argent pour rentrer dans le poche, tout, c'est ça. Mathieu, gagner des individus qui prennent contact avec vous après et interviews ont été faits dans Vision 2001. Mais est-ce qu'on a aucun responsable dans l'État qui essaye de prendre contact avec vous? Pour ma part, pour le moment, parce que honnêtement, je n'ai pas de autorisation pour donner un numéro. Actuellement, nous avons des réflexions que nous avons fait en termes de et Chita et puis avec
quelques monde pour nous voir quelque chose capable de matérialiser et ça que vous avez dans tête ou est-ce que on lance ça à tout le monde de la diaspora, c'est toutefois ta commune qui t'a ça intéressé, t'a voulu rentrer dans le mouvement, etc. Pour moi, c'était sur quelle initiative, mais d'abord, si nous te cabrons, je mettais sur pied et on va nous battre sur la diaspora. Par exemple, une manière que la diaspora n'a pas pu vivre, c'est plus efficacement parce que nous avons des chances, pas pour nous avoir des matériels. Qui m'ont pris avec facilité, parfois c'est difficile pour faire vie en Haïti parce que la diaspora va gagner en forme de appartenance politique, quand on joue la diaspora qui doit appartenance politique, mais une autre diaspora n'a pas une appartenance politique. Okay. Donc, c'est toute diaspora des États-Unis qui a déclaré qui mettait en avant. Okay. Alors que en Haïti, il y a un problème qui a été fait culturel. Parce que comme chacun politique, chacun va continuer la force par eux. Alors que si diaspora fait un mouvement commun, je dis bon, c'est une diaspora, vous faites organisation ça, et organisation ça, c'est tel que nous allons réaliser tel projet. Parce que nous avons plus cher sur nous-mêmes la diaspora pour nous et pour que tu te spirites de l'autre niveau qui a été. Ok, oui, oui. Sans dire ça. Père Mathieu, c'est déjà tout ça, me rappelle qu'il y a un peu de soirée parce que je suis supposé gagner à 10 heures et un peu plus tard parce que je suis en Haïti qui est ensemble avec moi. Et nous allons parler encore. Et si toutefois, si tu as quelqu'un qui t'a intéressé, ou pas aucun problème pour me t'abattre au téléphone. Tu n'as pas la voix. Ok. Mathieu, merci en pile pour apport et dans l'émission à soir, l'émission l'obligé la budget. Donc, nous souhaitons gagner encore et nous avons fait travail là, nous avons continué par information et pour que le peuple haïtien capable de comprendre exactement plan, idée et j'en dis là pour nous avoir tête ensemble et puis arriver concrétiser pour survivre le pays d'Haïti. Parce que ces pays nous lient avant tout, Haïti pas capable. Nous avons quitté avec. Merci pour votre parler sur la détente haïtienne. Merci pour l'émission de la vie, parce que il y a plus de la rapport, il y a plus de la rapport. Merci à Pile, passez bonne nuit. Depuis Connecticut, c'est là que Père Mathieu est. Et d'abord, on t'y parle avec nous. Tendez bien, oui, c'est un projet. Et n'importe monde qui voulait participer à la donnée et qui est intéressé ou capable de checker ensemble avec moi et puis me faire rejoindre contact
Père Mathieu. Et téléphone, moi, c'est 863-677-48-57. 863-677-48-57. Ou bien 407-255-66-42. 407-255-66-42. Si vous voulez participer, vous voulez rentrer dans l'organisation que vous allez former dans la diaspora, quelques accoutouillés en France, Canada, Mexique, Brésil, Chili, quel que soit côté où il y a, vous voulez participer, vous voulez rentrer là-dedans, nous pouvons faire une gros corporation. Et l'État bien comme ça. Et d'ailleurs, si on va être légal, capable de tout nous a dit, bagaille qui supporte des lignes, vous comprenez, et avocat là, assurément, et pour que nous capables de faire comme ça, non seulement pour nous arriver et nettoyer le pays qui, je vous dis, sont un pays fatra que lié, mais tout, et arriver nous-mêmes, tout investissement que nous avons fait, la paix permet que nous rentrions comme tout, ok? Et assurément, tout dépend de la quantité de copes chaque monde mettait, on va gagner un pourcentage de profit que l'organisation va rentrer là. Donc, si toutefois, j'en ai dit à autant intéressé, et nous capables de numéro de téléphone Père Mathieu, Isaac, et on capable de relayer nous dans le téléphone que nous débarrons, je vais répéter encore, c'est 867-47-48-57 ou bien 407-255-66-42. Donc, ouais, nous revenons au point pour nous mettre au là dans l'émission. D'ailleurs, nous et vraiment et font bon petit palais à soi, hein, ne pas prêter plus. Et c'est 9h-11h, n'a qu'un bel comme ça. Et on tape dans des émissions, ça c'est grâce à Quality Consulting Services, 927 South Goodwin Avenue, suite 210 dans Orlando. Deuxième étage, téléphone 407-418-4058. Et cellulaire, nous c'est 863-677-48-57. Travail au besoin. Pour être taxé, ce taxe-là qui file les jours. Ou capable de confier nous. Nous avons un pile de temps d'expérience. Et depuis 1991, nous avons fait ça ici dans Orlando. Nous desservons pas seulement moun Orlando. Et nous desservons moun qui l'autre côté tout, Massachusetts, Californie, New York, New Jersey et Connecticut, et parce que de mon côté, que nous avons fait taxe fédérale et state, nous avons fait tout deux, et pour même que nous travaillons à tête, tout, que nous sommes chauffeurs de taxi, que nous avons un business, que nous travaillons dans une compagnie, nous sommes capables de faire ça pour sans aucun problème. Et téléphone encore, c'est 407-418-4058. Cellulaire 8-63-677-48-57. Au besoin de tout faire travail immigration. Quel que soit travail immigration, hein, on pétition pour vous y chercher au monde en Haïti ou bien quelque soit côté l'IA, ou bien si vous ici tout, au besoin de vous pétition pour lui. Madame Marie, petite maman, papa, frère, soeur, nous capables de faire pour vous. Et nous capables de prendre du commencement jusqu'à la fin. Et vous avez ici tout, besoin de faire ajustement statut. Nous capables de faire pour vous sans aucun problème. Donc, QCS, qui c'est Quality Consulting Services. Et puis, vous besoin de faire ADN. Nous n'avons aucun problème. Faire un ADN pour vous. Et ça veut dire DNA. Nous capables de faire pour vous sans aucun problème. Ou besoin tout, fait et un transfert d'argent, transfert manger, et quel que soit, et dans la province, et province, dans le pays d'Haïti, et il y a l'autre côté, encore l'autre pays que nous avons eu l'argent pour vous à travers Unitransfer. Nous, c'est un agent autorisé de Unitransfer, capable de confier nous ça tout dans QCS, qui c'est Quality Consulting Services. 927 South Goodwin Avenue, suite 210 dans Orlando, Florida. Et ou besoin faire un
fax ou bien on besoin faire yon ou scanner un papier ou bien document quelconque, nous capable faire ça pour vous. Nous même dans QCS Quality Consulting Services dans Orlando et nous là pour nous servir ou même. Donc merci en pile de ce que vous êtes branché. Nous ba ou rendez-vous samedi si Dieu veut bien que nous tout radio ça soit radio qui la 24 sur 24 7 sur 7 ou capable prendre nous sous Audio Now, c'est 712-432-5329. Audio Now, c'est à partir du téléphone, ou qu'on attend des radios, 712-432-5329. On l'autre numéro Audio Now, c'est 213-493-0302. 213-493-0302. Ou qu'on attend nous sur TuneIn. TuneIn, ou capable de taper. Et TuneIn, c'est Radio Télé Louvrier. Prendre ce tunnel. Donc, tout ça, c'est moyen ou capable de prendre radio, télé, l'ouvrier. Et les samedis soirs, dans l'émission, ça, ou capable de prendre sur Facebook. Facebook, ou marqué radio, télé, l'ouvrier. Sur ce, nous vous remercions, pile. Passez une bonne nuit et passez une très bonne semaine. Sous radio, télé, l'ouvrier. Radio Paola. Radio, il a